Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire un petit peu de construit comme d'hab. Ah. Je n'ai point mon bon pseudo. Alors attendez. J'étais encore avec le pseudo de Momcard d'hier, j'ai pas changé ça. Oh putain, j'espère que je suis pas en train de... de saloper le stream de chez Momcard. Non, a priori ça a l'air d'être bon. Donc bonjour à toi Cafford, j'espère que ça va bien. Ouais, donc désolé, je me suis un peu planté de chat et de pseudo. J'espère que ça déconne pas. Non, voilà, c'est bon. A priori, je suis sur le bon stream. Donc, on est parti. On va faire un petit peu de couilles au tout. What the fuck? Pourquoi je suis encore avec ce chat? Bon, attendez, je vais essayer de repartir. Ah voilà, c'est meilleur, c'est un peu mieux. Ouais, je sais pas pourquoi j'avais encore le pseudo de Momcard. Voilà, a priori. Voilà, c'est bon. A priori, ça marche. Ah bah, désolé, Cafford, hein, que tu ne sois pas là pour le giveaway. Ah bon, on va mieux gagner cette main, on n'a pas un seul shard. Allez, on va garder ça par contre. Ça c'est pas mal. On a notre adversaire qui mulligan à 6. Ouais, on va jouer notre Thunderfield Seer. Salut à toi des Jack Pitt. Ah, t'es un vieux qui se couche avec les poules. Quand même, 20h ça fait tôt pour aller se coucher. Allez, donc on met notre petit Thunderfield Seer en jeu. Donc la prochaine action va nous faire piocher une carte. Pour ma part, j'ai failli être un peu en retard puisque j'étais en train de mater les trailers de l'E3. Alors, je sais pas si vous avez vu des beaux trucs ou pas, mais perso, moi, il y a eu un ou deux jeux qui m'ont quand même assez bluffé. Bah, on n'a pas notre belle pochette. Comment cela se fait-ce? On ira changer ça après cette game. C'est intolérable de jouer sans pochette. Voilà, Stormclad. Donc quand on met une charge, hein, on met un petit compteur dessus. Et ensuite en basique, on peut retirer ses charges pour avoir des petits Stormlings.
On va mettre cette ressource si jamais notre adversaire nous sort un truc de la mort. On pourra le contrer. Donc voilà, hein, perso, moi il y a Battlefield 1 hein, qui m'a vraiment beaucoup impressionné. C'est quand même assez énorme. Ouais, l'Exarch of the Egg hein, qui nous gêne pas trop. Donc on va le laisser. Voilà, double Harvest Moon. Voilà, c'est ça qu'on voulait. C'est ça qui est bon. Là on n'est pas forcé de le jouer tout de suite. Est-ce qu'on joue ça? Ouais, je pense qu'on va jouer ça. Donc c'est en quick action, hein. Si notre adversaire nous sort pas un truc trop embêtant, on le jouera à la fin de son tour. Bon là ça fait 16 PV dans la banque quand même. Donc avec son Exarch, c'est pas gagné pour lui. Un autre Stormcloud. Ouais, ça me gêne pas tellement. Bon, il va gagner plein de charges hein, et faire plein de Stormling. Mais bon. A priori on va avoir des grosses bébêtes. Notre adversaire qui n'attaque pas. Il a pas envie de perdre trop de PV. Fin du tour. Allez, on va rejouer un autre Harvest Moon. Ah voilà, c'est ça qu'on attendait. C'est ça qu'on attendait. Allez, là on va jouer ça parce que de toute façon on pourra rien jouer d'autre que ce Wakuna. Et un petit coup de Winter Moon, on va remettre ça dans le deck. Et un Giant Scorefly. On va défausser notre source. Notre adversaire qui commence à mettre les Stormlings. C'est pas trop gênant. Là, serait bien qu'on pioche la première carte inspirée par le Wakuna. Bon, ce n'est point le cas. Donc là ça fait +4/+4 et le vol hein, pour le prochain Kuyotu. Ça va être pas mal. Ah c'est dommage, on peut pas contrer la princesse. On fera un yesterday hein, si jamais notre adversaire nous attaque. Ah désolé que tu te sois levé très tôt. Voilà, ça c'est bien. Donc là, notre Wakuna qui vient de mettre un +6/+6 et le vol sur la prochaine troupe. Et celui-là, ça sera pareil. Donc ça va être quand même assez gore. Bon, espérons que notre adversaire n'ait pas de sort de retrait, puisque du coup on va se faire bouffer une de nos deux cartes.
Ah oui, merde, c'est vrai qu'on a ça. Bon, là, on a une chance sur 3 de se faire arnaquer. Pardon, une chance sur 3 seulement de pas se faire arnaquer. Ah, le contre-sort, c'est dommage. On va se faire buter notre ancien. C'est des choses qui arrivent. Et un Highland Magus, décidément. Un adversaire qui a un jeu bizarre. Voilà, on a le contre-sort. Allez, on va voir ce que notre adversaire va nous faire ce coup-ci. Donc là, il peut refaire un coup de Thunderpuff, hein, mais bon, ça a commencé à être craignos pour lui. Allez, un autre Highland Magus. Donc l'Highland Magus, hein, qui peut inspirer les Splashy. Bon là, il a pas... Ouh, double dégâts quand même. Ah là là, notre adversaire qui l'a joué tout à la fin. Bon, c'est une petite erreur de sa part. En fait, il aurait dû jouer ça tout à la fin. Allez, là faudrait qu'on garde notre contre-sort, ça serait bien. Ah là là. Encore un contre-sort de volée. Salut à toi, Vanheim. Merci de nous rejoindre. J'espère que ça va bien. Est-ce qu'on joue Yesterday maintenant? Est-ce qu'on veut sauver notre Wakuna? Ouais, on va peut-être le sauver quand même. Moi ça va pas mal, comme je disais, j'étais en train de regarder là tout à l'heure les... Salut à toi Noramex, j'étais en train de regarder les trailers de l'E3 et il y a un ou deux jeux qui m'ont bien scotché là. Perso, le Battlefield 1, j'ai trouvé les démos assez bluffantes. Et notre adversaire qui voilà qui va mettre... Ah putain, là on a Swift Strike et double dégâts. Ça va être assez problématique. Ah, le prochain Zelda, je l'ai pas trouvé. Alors attendez, faut que je prenne le bon. Ils me font tous gagner 4 PV. Bon, on va virer ça. Hop. Ah, je l'ai pas trouvé si joli que ça. Je m'attendais à une version quand même beaucoup plus belle. Et là, j'ai l'impression que c'était limite du vieux cel shading.
Où ça c'est moche? Où ça c'est très très moche? Alors là, que je dis pas de bêtises, la prochaine troupe qui va rentrer dans le jeu, elle va gagner 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Un petit plus 18, 18. Ah peut-être, c'était peut-être la version Wii U. Ce Thunderfield Elder du mal quand même. Ouais, bah c'est peut-être la version Wii U. Après, j'ai pas non plus. Parce que c'est pareil, comme toi, je suis rentré du boulot y a pas si longtemps que ça. Du coup, j'ai juste maté quelques petits trailers, voir ce qui était sorti. Putain, mais ce truc là, en plus il a dépensé toutes ses ressources, s'il rentre en jeu, donc il va rentrer en jeu. Ah la meule, ça c'est assez gênant. Bon ça va, on n'a pas perdu grand chose. Allez, blub 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 blub. Ah, c'est la prophétisation. Tchou 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 tchou. C'est Star Wars là. Bon, alors 2, donc là c'est 4. 4. Donc on est à 8. 8 et 6. Ouais, on est. Putain, on est quand même à pas mal de points de dégâts là, ça va être chaud. Putain, je peux pas attaquer avec ma 21-20 là. Le kill à 100% sur ton Coyote. Je pense. Je pense. Mais bon, le mal est fait parce que du coup, il les a quand même mis hein, les lignes. Là, faudrait que je le pioche tout de suite, le deuxième. Ah, mais là, on gagne trop de PV aussi. Ah oui, c'est le. Il doit avoir. Il y a un plus 1 plus 1 quelque part là-dedans, non? Ouais, voilà. Bon, c'est assez embêtant puisque là, du coup. 10. On est à combien là maintenant? 10, 12, 13. Ah, ça fait 26. 26 en Swift Strike. Ça, putain, merde. On n'est pas sorti de l'auberge. Bon, là, hein, c'est la troupe. On avait dit quoi? C'était un plus 18, plus 16. Celle-là est refait un plus 6, plus 6. Plus un petit plus 2, plus 2. Bon là ça va être embêtant, il va falloir que je fasse il faudrait que je fasse un yesterday. Ah putain, on va perdre là. Elle était où? Ah non. Mon Coyotou 30 28 30.
Ah mince, j'aurais dû d'abord utiliser la capa de... Ah mince, 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 mince. J'aurais dû d'abord utiliser la capa de Wintermoon, on aurait pu avoir une chance de piocher ma 28-30. Et du coup là, si on se fait meuler... Ah c'est dommage, hein, j'aurais pas perdu mon ancien, on en aurait eu deux, et là du coup j'aurais pu commencer à attaquer. Ouais, Giant Scorefly. Bon c'est un jeu assez bizarre hein, quand même celui de notre adversaire, puisque il a mis l'Azur Fête, mais il y a quasiment pas de troupes qui sont à 4+. C'est assez étrange. Alors, est-ce que j'ai que des créas saphir? Il me semble, hein, je crois pas que... Ouais, non, je crois qu'il n'y a que du saphir. Ah, là, il me faudrait un boulder toss là. Petit boulder toss. Ah mais on n'avait pas dit qu'il fallait un truc pour taper toutes les troupes adverses là, c'était pas ce deck là. Des phéromones ou un truc du genre. Ah bah non. Bah alors, qu'est-ce qu'on a foutu? C'était une autre decklist alors où on avait... Parce que je me rappelle, on avait mis le Stormcall. Le Stormcall. Ah, c'était peut-être avec le mono saphir. Ouais, truc du genre. Alors, est-ce que c'était cette decklist là? Dingler, 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 non. Bah pourtant il me semblait qu'on avait bricolé un deck avec, avec du Stormcall et des machins comme ça. Celui-là peut-être? Je sais qu'on en avait fait plein. On avait fait plein. Bah non. Non, non, non. Bah je ne sais point. Pourtant il me semblait... ouais, la semaine dernière, ouais. Bon. Bon, bah je ne sais point. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah oui, donc c'est vrai, là je voulais faire un petit coup de Blood Ruby, mais on avait dit hier qu'on n'avait pas la bonne pochette. Pochette qui va bien. Qu'est-ce que je fais? C'est pas ça qu'on veut. C'est le sleeve. C'est ça qu'il faut comme sleeve. Allez, on est parti. Donc ouais, il y a Battlefield 1 là qui m'a bien plu. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui avait l'air sympa? Ah ouais, le God of War, alors j'ai pas compris, ils ont l'air d'avoir fait un espèce de vieux reboot.
Là maintenant c'est un Viking. Donc est-ce qu'ils vont nous faire un God of War Valhalla ou un truc comme ça avec, avec la mythologie nordique après les dieux grecs? C'était beau par contre, hein. Putain. Ils font des trucs assez jolis maintenant. Notre adversaire qui va nous jouer un Benvolio. Ouais, notre adversaire qui doit peut-être être parti chercher un café. Bon, qu'est-ce qui nous fait le go? Ouais, franchement, Battlefield 1 m'a bien impressionné là. Moi, je suis tombé sur. C'est genre un petit event, ils ont invité plein de stars. Il y avait genre Jamie Foxx, Snoop Dogg et tout qui étaient en train de jouer. Et a priori, c'était du 32 contre 32. Et c'était impressionnant quoi, tous les décors destructibles, à un moment genre, il y a un zeppelin qui tombe du ciel, ça rase genre la moitié du village et tout, tout qui se détruit. C'est quand même assez impressionnant. Bon, il y a notre adversaire qui s'est barré là, je sais pas ce qu'il nous fait. Ah merde, j'ai mal cliqué. J'ai mal cliqué. Allez, c'est reparti. Affronter God Adramelech qui va nous jouer un Daughter of Star. Alors est-ce que c'est un jeu à gain de charge ou pas? Puisque il y a son pouvoir coûte 10 quand même. Et on est sur une decklist à 62 cartes. C'est assez étonnant. Argh, c'est dommage, on est un peu court en shard. Là, il faudrait qu'on pioche un blot, ça serait bien. Comme ça, on pourrait commencer à faire les fourberies dès le tour 3. Ah, un petit Monsoon, c'est bien aussi. Comme ça, on peut commencer à tunneler et à bourriner. Lyriciste. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Voilà, là on a récupéré le blood, donc là on va pouvoir commencer à faire des choses assez moches. Et un moustique géant. Oula, bah alors là je sais pas du tout ce qu'on va avoir comme deck. Parce que j'ai déjà vu un deck Daughter of Star en compétitif. Mais c'était un jeu avec des vraies cartes rares.
Là, je pense qu'on est sur un joueur débutant, puisque notre ami, là, avant de nous sortir 4 shards saphir, ça va être compliqué vu comment il est parti. Je pense que là, on a vraiment affaire à un débutant. On va lui buter ses deux troupes, donc c'est pas mal, hein, puisque nous on s'en fout, on a Monsoon, donc ça veut dire que ça va revenir. Et du coup là on pourra faire genre Burn et compagnie. Donc rappelez-vous, hein, quand il attaque il fait 2 points de dégâts et au champion ou troupe qui a subi des dégâts pour ce tour. Ah, Call the Grave, ça c'est pas cool. Ouais, donc du coup on récupérera pas ça. Ils nous a volé, ils nous ont volé notre travail. Ce Bruta, on va faire juste un petit burn là-dessus, histoire de faire un peu de points de dégâts, puisque Daughter of Stark est quand même à 27. Hein. C'est dommage parce que là on aurait eu notre double Bruta, on aurait fait burn sur sa tête, et du coup là il aurait pris 6 juste avec le proc du dégât du Bruta. Et une atrophie. Ok. Je lui demande s'il joue quand même Saphir ou pas, puisque je crois qu'il a pas compris, il a pas compris le truc. Ah, héroïque inspiration pour le Hiérophant. Ah, c'est pas bête. Alors là, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être quand même faire juste un petit coup de Yotul. On va lui faire un burn. Burn qui fait 4. Tac. Et on va attaquer quand même comme ça. J'aurais dû faire un burn et jouer ma princesse. J'ai été bête. Je crois que j'étais à 5 de ressources. J'étais en train de penser à l'héroïque inspiration. C'est clair, hein, ça peut être une bonne idée. Une autre Monsoon. Allez, un autre burn. Bon, on va pas attaquer, on va juste mettre notre princesse. Prochain tour, on va aller taper dans les PV. Donc déjà que j'ai fait une connerie, j'aurais dû la mettre au tour d'avant. Ouais, encore, c'est bien ce que j'étais en train de me dire. On a les 4 burns. Donc là, on va pouvoir faire genre. Qu'est-ce qu'il nous met là, Spambot? Ok. On va pouvoir faire genre juste un burn sur le.
sur le Caribord et paf, aller attaquer comme un bourrin. Ouais, notre adversaire qui... Je vais quand même bloquer, hein, puisque si jamais il nous sort un petit truc, on va... Bon, bah rien, même pas, c'était juste du bluff. Donc là, Kappa, Kappa, Kappa. On va faire ça. On va faire ça. Moi, je craque tout, hein. Je craque, craquage de slip. Et on fait ça. Et un Dark Spire M-Force. Bon, il nous a pas répondu, il a pas dû voir le message. Donc je pense qu'il ne joue pas Saphir. Ah là, faut qu'il nous sorte une autre troupe. Qui nous dit non, j'ai fait ça pour tuer le temps. Et bim, victory! Ah merde, j'ai re-appuyé sur collection. Décidément aujourd'hui. Et on va affronter Crazy avec un Cranok. Ah, on se met à revoir un peu de Cranok, hein, quand même en ce moment. Ah, bon, là c'est encore pareil. Si je chope pas de blood, on est un peu light sur cette main. Ouais, normalement les mains à un mulligan 2, enfin les mains à 2, on se mulligan pas. Crimson Bolt, il faut qu'on récupère un shard au prochain tour. Voilà, on va rater nos shards, hein, puisque à moins qu'on pioche deux shards de suite, on pourra pas suivre notre curve. Allez, un Exarch. Ah, pas mal. Est-ce que notre adversaire veut trade son Exarch contre mon Bruta? C'est la question. Hop, 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 hop.
Bah perso, Monoblood, je trouve ça plus fort que certains archétypes. Si tu mets, ah, c'est un Blood Saphir. C'est pas du Monoblood. J'allais dire, perso, il y a plein de gens qui aiment pas cette carte, mais moi le Subterfuge, hein, je trouve ça vraiment pas mal. Parce que du coup, tu fais Subterfuge Inquisition et t'as de bonnes chances de virer le Runir qui est dans la main du mec. Donc moi perso, je trouve ça assez fort. Ah bon, on a eu notre shard, mais voilà. On va faire. Est-ce que je fais juste ça et ou est-ce que je le garde pour faire autre chose? Ce crackling ball qui fait 4, hein, du coup j'aimerais bien garder ça, un truc à 4. Il y a rien de volant, mais ça c'est une quick action. Allez, on va faire ça. J'ai bien envie de garder mon crackling bolt à 4 en fait. Parce que du coup, s'il fait rien de bien intéressant, je peux faire Crackling Bolt à 4, 3 avec la capa du Bruta et re 3 avec son score d'attaque. Là, s'il nous fait un tour vite, ça va. Stormcloud et un Exarch. D'accord. Mais c'est le même mec que tout à l'heure ou quoi? Ah, Spiderling Eggs. J'ai envie de le rebuter son Exarch et de réattaquer. Ça va encore nous retarder sur notre vampire. On va plutôt jouer le vampire. Là, mine de rien, on a 8 points de dégâts en main, hein, notre adversaire qui a 10. Stormcloud. Ressources. Voilà. Oh, capa de Cranok, ça c'est dangereux ça. Ça c'est très dangereux. Allez, là je peux faire vampire vampire crackling bolt. Ah ouais, mouette Ouais, la mouette, ce que j'allais dire, faut que tu arrives à choper quelques cartes. Parce que du coup, la mouette, tu peux lui faire un burn dessus, quoi. Mais ah ouais, ça peut être pas mal, hein. Moi, j'avais vu des gars qui rejouaient un peu le Bird of Paradise, mais c'est long à sortir. Espérons qu'il n'y ait pas d'extinction. Après, ta mouette, elle prend par contre la turbulence, quoi. C'est ça qui est embêtant. Faut que tu mettes genre un arcane zéphyr ou du contresort.
Allez, là c'est pareil, on va pouvoir buter l'Augure of Sirion avec notre Bolt. Alors, on a Monsoon. Est-ce qu'on le caste pas directement? La turbulence c'est destroy, du coup destroy ça te sert à rien, enfin la mouette elle te sert à rien contre le destroy quoi, ça prévient les dégâts de combat, mais c'est juste ça quoi. Ouh un Shinigami. Bon, on va garder Monsoon en main. Ah, c'est pour ça qu'il y avait des gars qui jouaient le Bird of Paradise. C'est que le Bird of Paradise, si tu fais un. Si tu fais un burn sur le Bird, ça le fait piocher. Alors que si tu fais un burn sur la mouette, ça bute la mouette. Bon, d'un autre côté, la mouette, hein, c'est juste un tour 2 qui est unco. Donc, c'est pas aussi rare. Mais voilà, la mouette, en fait, tu peux faire un burn avant que le gars il shift le Tome Seeker. Qui a pas de Yotul, on va faire le burn. Alors que voilà, le terme destroy ça va niquer ta mouette. Ouais, on va faire un petit. Ouais, tiens, on va essayer de le scrapyard. Si tu as pas de troupes sur le board, le pouvoir du Shinigami proc aussi. Bah, a priori, je pense. Hein, c'est dès que tu fais des dégâts à l'adversaire, ça void les troupes. Et en gros, tu. Ouais, voilà, j'allais dire. Après, tu fais le. Tu fais le. La résurrection, quoi. Et on va affronter là ce coup-ci un Zorzim. Oh là là. Ça se mulligan. Hein. Ça, c'est injouable comme main. Bon. Il faut peut-être qu'on espère piocher un Blood. Là, j'aurais bien aimé pouvoir avoir ce blood. Hein. Si j'avais eu le blood sûr, j'aurais attendu pour le Spirit Spy. Mais comme je sens qu'on va se faire troll, voilà. J'ai été médisant. J'ai été médisant. Donc il y a quand même un petit Opiro hein, dans le deck. Rune Web Infiltrator. Ah, au début, il faut sacrifier trop de troupes là. On va lui mettre ça et on va voir si on peut lui faire une petite fourberie de derrière les fagots, voir si notre adversaire va capter la petite fourberie. Parce qu'on va payer un, on va sacrifier une troupe et on va faire pop un fantôme. Le deck Wild Ruby. Tu parles duquel?
Ah, diamant rubis, ouais, d'accord. Voilà, notre adversaire qui du coup. S'est fait avoir. J'ai bien envie d'aller taper à deux quand même, pas trop commencer à foutre des compteurs, de compteurs, de compteurs. Ouais, le deck diamant rubis est vraiment top, hein. Bah, franchement, j'aime bien ce qu'il fait, hein. Nico Sharp, il fait vraiment des super decks. Et du coup là la version de budget marche pas mal et Ah oui c'est ça en fait j'ai présenté après il y a une version je crois Tusker avec, avec les Kindling Scarn et tout ça marche aussi pas mal ça marche pas mal c'est vrai donc la version pas budget est vraiment bien donc ce deck moi j'aime bien franchement ça assure. Ah, on a perdu notre scrapyard Scrap Zwenless. Ou on a perdu un Gallows. Ça, c'est pas très cool. Un Skitter of the Arachnid. On va sacrifier ça, hein, histoire d'avoir le plus de troupes possible. Profiter de ce Monsoon. Ah ouais, franchement les scarns ça marche bien. Je pense on va peut-être faire ça, on va voir. Parce qu'il faut qu'on paye. Ouais, donc maintenant on a des compteurs permanents. Voilà, donc là maintenant c'est permanent. On va commencer à sacrifier des vrais trucs pour avoir des vrais effets. Commencer à aller te nerfer. Voilà, donc maintenant on est en mode destruction. Super Saiyan Hop Hero. Pas de soucis. Bute-moi mon Hop Hero, il n'y a pas de problème. Et là notre adversaire qui du coup connaît pas Monsoon hein, puisque là il va se retrouver avec avec une chier de bestiaux sur le plateau. Ouais, on va mettre un petit truc comme ça sur notre Opiro. Histoire que. Oh, j'aurais pu le mettre sur une autre troupe, hein. Ça aurait pas été du gâchis. Ah oui, merde, elles ont le mal d'invoque, c'est normal. C'est normal.
Alors lequel qui crée? Donc ça crée des fantômes. Ah bah oui, je suis à 6, donc j'ai juste une seule petite kappa. Et c'est le surrender, victory! Ouais, et donc là je suis en train de faire un deck par contre qui est pas du tout budget, hein. C'est une version avec du Slaughter Gear. Parce que je me suis aperçu que j'avais pas encore fait de cast PVE avec les Slaughter Gear. Et du coup là par contre ça va vraiment pas être budget, hein, puisque je crois que c'est genre le deck à 250 $. J'ai regardé, le deck était plus cher que les decks PVP en fait. Donc c'est un deck où il y a le Replicator et le River. Donc ces deux cartes qui sont à... Bon, ça a baissé avant, c'est plus le... c'est plus l'époque où le Replicator il était à 3500 plates. Mais bon, ça vaut quand même encore un peu de sous. Et c'est un deck très très moche, hein, de tous ceux que j'ai fait. Ça doit être un de ceux qui clean le plus vite. Et en tout cas qui est ultra ultra stable et consistant, donc c'est bon, tu me diras pour pour 250 $, il y a intérêt à ce que le truc il marche bien. Ah, un petit Cressida, ça fait longtemps. Cressida qui revient un peu, puisque comme il y a des jeux un peu mou du genou maintenant. Maintenant c'est pas mal, hein, d'aller blaster la tronche. Allez, cette main est pas mal. On a le Gallows et on a surtout le Shard Call qui va nous permettre d'avoir le rubis. Allez, on n'a pas de tour 2 à jouer, donc on va faire le Shard Call à ce moment là. On n'est pas pressé, hein, pour avoir notre rubis. Ah, un Sylvan Performer. Donc a priori c'est pas le Cressida qui a du pognon. Bon, on va pas attaquer, hein, on va juste bloquer. Et booster notre Gallows. Allez, un petit shard, on va quand même poser le bruiser. Bon, j'aurais dû attaquer, hein. Là je suis un peu naze aujourd'hui. Donc c'est dommage, hein, le jeu qui est un peu lent, j'aurais peut-être mis moi plutôt peut-être des Pact of Pain. Mais on n'a pas beaucoup de gains de vie, donc d'un autre côté le Pact of Pain qui marche pas énormément. Mais ce Harvest of Sorrow qui est assez chiant quand même à jouer.
Salut El McDo. Tac tac tac. Alors attends, si. Voilà, c'est celui-là. Alors attends 2 secondes. Tac 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 tac. Tac. Voilà, donc là t'as la decklist. De toute façon, j'ai besoin que d'un rubis. Allez, donc là, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer ce gallows. On va peut-être, on aurait pu commencer à les attaquer, hein, pour commencer à faire crever les trucs. Mais bon, là, si notre adversaire a 5 ressources, voilà, on va avoir le Blade Dancer. Voilà, on va commencer à faire mourir les trucs. Et là, on va pouvoir jouer notre Harvest. Ah non, là c'est les dynamos qu'on récupère, c'est pas les bruisers. Allez, donc là j'ai deux troupes qui sont mortes. On va piocher deux. Hein. Ça nous fait un Oracle Song. Ouh, ça c'est pas mal. Donc ça nous permet en fait, hein, à la fin du tour de récupérer un random junk. Et donc les junk, hein, c'est les dynamos, c'est les magnétrons, tous ces trucs-là. C'est du junk. Ah, c'est dommage, elle est crush. Est-ce qu'on joue ce Monsoon? Salut à toi, Plume45 Plume, qui est comme moi un ancien Orléanais. Donc voilà, il y a Cheden aussi qui est du coin. Donc là, la mafia 45 est dans la place. Allez, on va tunneler ce Monsoon. Et on va jouer ce Shroomsho. Ouais, c'est ça, je pense au Enheim, c'est un Cressida budget. Ah, 37, bah! Sors de ce chan! Ah, c'est qui? Alors, c'est Selene, non? Qui est vers Orléans ou un truc comme ça? Je sais plus, je sais qu'il y en a 2-3 là dans le chat qui sont. Ah, c'est ça, c'est Selene qui est dans le 45. On va juste bloquer un tout petit bout avec ce Shroomsho puisque lui est. Et comment ça s'appelle? Alcounter avec Monsoon et les autres, on va les garder pour faire un blocage létal avec le magnétron. Allez, Umberleaf Evoker, c'est pas mal. Allez, donc ça va mourir. On est à 9-9. Et un autre Shroomsho, on va quand même mettre ce magnétron. Ah, il y a Selene qui a mis. Ouais. Ah bah maintenant j'y suis plus, mais voilà, je suis encore 45 de cœur, on va dire. Donc lui, quand il meurt, on récupère un bruiser.
Donc là, un autre bébête, continue. On est à 9-9. On va essayer de limiter un petit peu les dégâts. Juste 2. Est-ce que tout ça, il y a des compteurs dessus? Est-ce que notre adversaire a un combat de trick? Voilà, ça va être... voilà, c'est le pur draft. Aïe, là par contre, ça va faire mal. Ça va faire très mal. On est à 12. 12. Ah là, ça va être chaud quand même. Ça va être chaud. On a peut-être trop attendu. Ah, quoique ça dépend. Si notre adversaire continue de nous buter nos troupes. Ah, ça va être chaud, ça va être chaud. Si on attaque, on est 13. 14, 15. Ah, ça dépend si on attaque et qu'on sacrifie toutes nos troupes. Ah, yes. Notre adversaire qui est en train de se petit suicider. Celle-là, elle est 4-4. Allez, on va prier. Là, faut que l'adversaire, il bloque. Allez, bloque, 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 bloque. Allez, là, c'est des petits 1. Là, ça se bute, ça. Yes. Yes. Et voilà, le petit chien est sur la pente fatale. Et donc là, maintenant, on a une 16-16 qui va faire des dégâts quand elle va rentrer en jeu. Et voilà, vous voyez hein, la méchanceté. Donc Ploum, 45 Ploum, qui était avec moi à l'école, hein, carrément à la maternelle. Donc c'est pour dire si on se connaît depuis longtemps. Et vous voyez la sale bête, hein, la sale bête qui me chambre et qui me dit « Oh Ned, eh ben non, regarde, tac !» C'est ça qui est bon. C'est la fourberie du roll-up. On croit qu'il est mort, et eh bien non. Et voilà, victory. Ah là là, c'était super juste hein, quand même. C'était Tandax. C'était tendu du slibar. Allez, on va faire un petit tarasque. Non, tu vas rester dans le blood. Un petit easy moss. Mon Ploum, 45 Ploum, là il faut aller mater les conférences de l'E3 là, j'en parlais tout à l'heure avec Hohenheim, le Battlefield 1. Ouh my god. Ouh punaise, comment ça déchire sa génitrice. Ah, t'as vu, ouais. Ah, ce que je disais, bah, j'ai vu le petit screener et après ils ont fait, je sais pas si c'est ça que t'as vu, ils ont fait une map, alors c'était du 32 contre 32 avec des stars genre Jamie Foxx, il y avait Snoop Dogg, je sais plus qui d'autre. Et oh la vache quoi, putain.
Comment ça dépote, t'as tout le village entier qui est destructible et tout. Et à un moment, genre, il y a un zeppelin géant qui tombe du ciel, qui explose tout. T'as des mecs en tank, des mecs dans des avions. C'était assez fou. Bon, bah, c'est pas mal ça comme main. Deuil pour œil, non, pas encore. Pas encore deuil pour œil. Après, voilà, ils ont pas non plus essayé de copier toutes les mécaniques de Magic ou toutes les cartes. Parce qu'il y a des choses, vu que c'est assez digital quand même, il y a des trucs qui seraient un peu craqués, quoi. Genre les Mirror Universe ou les œil pour œil, ça serait. Je pense que ça serait un peu abusé quoi. Parce que du coup tu te laisserais taper gratos et au dernier moment tu ferais l'œil pour œil plus après un petit sort de dégâts direct. Je pense que ça serait. Parce que les points de dégâts sont quand même assez. Tu peux faire assez facilement des dégâts dans le jeu. Ouais, je pense à mon avis tu ferais ta phase d'attaque, le mec il est assez mal, après c'est lui qui t'attaque, œil pour œil. Pour ceux qui connaissent pas œil pour œil, c'était une carte blanche à Magic où si tu te prenais 10, tu lançais ça et donc tu prenais quand même 10, mais le mec se prenait 10 aussi. Donc tout de suite des fois ça calmait un peu l'adversaire. Et du coup là je pense ça serait ça serait un peu cheaté quoi. Ouais, mais après faut qu'il y ait de l'équilibrage quoi, parce qu'il y a des decks, qui font très très mal. Et si en plus ils pouvaient avoir accès à cette mécanique-là, alors là j'ai pas en tête hein, la méta actuelle de Magic. Ouh là, un Chrono Daemon. Qu'est-ce que ça vient faire là ça? Ah, notre adversaire qui le défausse et après avec Kagulichou il va. Ah bah non, il le remet dans sa main. Il va nous faire un Rise Again ou un truc comme ça. Faut que j'arrive à jouer mon Isidore tout de suite et lui piquer son Chrono Daemon. Parce que dans le jeu, il y a pas mal de jeux qui font des OTK, des kills en un tour. Est-ce que je joue cet Exarch ou pas? Ouais, on va le jouer, ça sert à pas grand-chose. Donc ouais, il y a des jeux qui font des kills en un tour. Donc le mec qui a dépensé toute sa stratégie, toutes ses cartes, tac, tu lui fais un œil pour œil, plus genre un truc qui te fait prévenir les dégâts de ton côté. Ça serait quand même assez moche. Ah putain, extinction. Ça fait partie des trucs qui arrivent. Il y a un jeu rouge en fait où c'est que des burns, hein, il n'y a pas de créature. Et le gars en fait il a un enchantement. Enfin, bon, un enchantement, ça va être plus compréhensible. Quand il fait des dégâts au point de vie du joueur. Ça lui fait. Ah putain, et le gars il pioche son Rise Again. Ah, il a de la chance là. Il a de la chance. Du coup, il va nous faire un Rise Again sur son Chrono Daemon. Ah, ressources. Donc je sais plus ce que j'étais en train de dire. Ah oui, le Heart of Fire. Donc le gars en fait, quand il fait des dégâts au point de vie de l'adversaire, ça lui fait des ressources. Du coup, il fait genre un petit burn, un petit burn, un petit burn. Et après, il a genre 15 000 ressources. Et là, il fait genre l'équivalent de la boule de feu à 15. Et tu te fais tuer. Donc, si tu faisais genre le œil pourri sur la boule de feu à 15, ça serait un peu craqué. Allez, là, on va se prendre un Chrono Daemon. Notre adversaire qui a son Rise Again. Donc là, moi, il me faut mon kill à moi. Hein. Si on pioche pas de kill ou d'extinction. Oh là là. Encore une ressource, ça c'est pas bon. Si on n'a pas notre sort de retrait, là ça va être compliqué.
Alors, est-ce qu'ils l'ont réparé ça? Bah non, toujours pas. C'est toujours pas réparé. Ah ouais, notre adversaire qui nous a quand même sorti les gros bébés, les gros bestiaux. Donc là, si j'arrive à récupérer ça et que j'ai un fill cape, oh my god quoi. Ça va être l'orgie. Bon, par contre, hein, je sais pas si on va tenir jusque là. Ah là, notre adversaire qui est bête. Hein. Là, il aurait dû m'attaquer avec son Death Blade. J'aurais pas pu bloquer. Ah, le fill cape! Pouya! On va peut-être le faire, hein, mes amis. On va peut-être le faire. Donc là, là, ça se trouve, on va peut-être pouvoir redresser la barre. Puisque là, en fait, on va se retrouver avec un Wrathwood Colossus. Par contre, quand il rentre en jeu, donc par contre, on va pas l'avoir en jeu. Hein. On ne va pas l'avoir en jeu. Ah, heureusement que j'ai gagné 10 PV, hein, parce que là... Là, on serait à 2 normalement. Et là, du coup, je pourrais hardcast. Je vais pouvoir hardcast mon Wrathwood Colossus. Parce que quand il va mourir, hein, si notre adversaire nous refait une extinction ou autre. Aïe, hop! Ah, j'étais bête, hein. J'ai grid 2 points de dégâts, mais j'aurais dû garder le Giant Scorefly pour bloquer. J'y ai pas pensé. Du coup, ça nous aurait évité de nous retrouver à 6. Et un Festaker. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les cimetières? On n'a rien d'autre de volant, là. Un kill sur ce fill cap, ok. Ouais, là, j'aurais dû bloquer avec ce Giant Scorpfly. Là, j'étais un peu bête. Ah, notre adversaire qui nous dit misplay. Je sais pas ce que c'est son misplay. Ah, et là, on a plus rien. Toc toc. Ouais, un petit exarque. Bon là, s'il a un sort de retrait pour ce Giant Scorefly, on est un peu mal. Du coup, on aurait vraiment pas dû attaquer tout à l'heure à 2. Parce que là, il serait à 8 au lieu de 6, ça aurait pas changé grand chose. Alors, il y a un kill, il y a un kill. Ah putain, donc il y a des probabilités qu'il en récupère un autre. Ah, il faudrait qu'on récupère un de nos vampires, ça serait bien. Bah, on a gagné un tour. Et voilà, on a le vampire en plus. Si c'est pas beau. C'est-il pas beau, ça, madame?
voir ce que va faire notre adversaire, mais ça se trouve on va le guaquer avec, avec notre deck du revert. What the... Ah oui, non, gros, toutes les cartes qui ont été voidées se dévoident avec le Chrono Diamond. J'étais en train de me dire, mais il sort 12 vampires. Du coup, on va garder celui-là en main si on se prend une extinction. Ah, Rotten Rancor. Allez, un sort, un sort, un sort. Oh là là, mais jamais on va récupérer nos sorts de retrait, nous. Nous aussi, on a des kills et des extinctions hein, dans le deck, il faut pas croire. Allez, allez, allez! Ah bah c'est bon. C'est bon, ça t'intint. Allez hop, extinction des feux. Hop, regarde, je te défausse tes trucs. Tac. Et hop, 18 PV, si c'est pas beau ça. Hop, maintenant on a notre Wrathwood Colossus. Ah bah ouais, waouh, bah ouais, fallait pas fallait pas avoir autant de troupes comme ça. Et là maintenant, ce qui est bon, c'est que si notre adversaire nous bute ça, elle va revenir dans notre main et on pourra la rejouer. Je vais lui dire, en plus c'est son Colossus. Et on va s'imposer sur cette belle victoire. On a notre adversaire. Et voilà, tac, victory. C'est l'arnaque. Ah bah ouais, c'est ça. Hein. C'est ça de... C'est ça de jouer des Wrathwood Colossus. Hein. Après, faut pas se plaindre. Hein. Victory! Bon, n'empêche, c'est un peu calme hein, aujourd'hui, comparé aux 40 d'hier, là, on est une dizaine. Ça fait tout bizarre, le chan est tout vide. Bon, hier, c'était cool, hein, j'étais assez content qu'il y ait autant de monde. Je crois qu'on a, en tout cas sur mes streams, on a presque pas souvent eu une quarantaine de gens comme ça sur les giveaways et autres. Et on cherche un petit adversaire. Et dans 10-15 minutes, on va faire le giveaway. Donc il y aura une carte légendaire à gagner ce soir. Un indigo.
Allez, extinction. Ah bah voilà, on a le kill enfin. Par contre, on n'a que deux ressources. On va garder cette main puisque si on a un Fenteo en face et autres, on pourra quand même faire ce kill. Ah mais j'avais pas vu de Cheden, mais c'est pour ça que ça veut rien dire les trucs dans votre pays là. A plus dans le bus. C'est ça veut... ça ne veut rien dire. Enfin ça veut juste dire que tu prends le bus, le branle-bus avec quelqu'un. A plus sous le bus, c'est genre il y a un bus qui arrive et qui te roule dessus quoi. C'est... tu vois là, c'est tout de suite... l'image est plus forte. Ah, et notre adversaire qui se lève. Victory! C'était la victoire du siècle. Qu'est-ce qu'on a dans le coin? Ah tiens, il y a Sirius qui est là. Ah bah Sirius, il doit être en train de streamer, je pense. Notre barbu préféré. Et c'est reparti. Oula, là par contre, ça va pas être la même tisane. Là par contre, je pense que le match-up est grandement en notre défaveur. Il y a des chances que ce MacBombus nous plastique la gueule. Allez, on a un vampire, on a deux kills. On va garder cette main. Espérons qu'on arrive à récupérer nos ressources assez tôt. Du coup, on pourra faire le kill sur le gobbler. Adversaire qui a peut-être pas énormément de troupes, ça dépend de la version. Pouah! Pouah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, notre adversaire qui nous joue un cosmique totem. Un comique totem. Le totem du comique. Allez, troisième ressource. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Et on va prendre de quoi poser notre vampire. Parce qu'a priori ça va nous permettre au moins de lui gâcher, lui faire lancer ses sorts. Bon alors là du coup je sais pas du tout ce que va nous jouer notre adversaire puisque cette entrée en matière était quand même assez bizarre. Allez, nous on va commencer à lui mettre 2-3 petits eggs, petits spiderlings dans le deck. Pas de MacBombus. Bon bah pour l'instant ça se passe pas mal hein. Ça se passe pas mal. On va garder ce kill hein, s'il y a un... parce que là il commence à avoir 3 ressources. Ça veut dire que il va pouvoir faire le gobbler. Bon, le fill cap est très bon aussi, hein. S'il y a des boosts comme les combats de training et autres, on va pouvoir les faire sauter. Ouais, il me faudra un peu de ressources par contre, parce qu'on commence à rater nos shards. Du coup, on prend un peu de retard.
Howling Plain. Du coup, comme on peut pas jouer skill, on va... J'aurais dû attaquer avant déjà. Mais on va jouer notre autre exarque. Et prochain tour, on pourra jouer le vampire. Allez, cinquième shard, donc là on est vraiment bien à la bourre. Allez, Arcane Focus. Donc là, hein, c'est, je pense, le deck un peu budget à 8 troupes. Parce que là, la tour 5, il y a notre adversaire qui nous a encore pas sorti une troupe. Troupe de son deck. Voilà, le gobler qui arrive. Donc il a dû aller le chercher avec l'Arcane Focus. Donc là ça va, hein. Pour l'instant on n'a pas perdu beaucoup de PV. Là on prend juste un coup à 4 et on va gagner 5 dès qu'on aura notre quatrième shard. Donc on sera revenu à 20 PV et là on pourra faire notre kill. Donc a priori tout se passe bien. Et on va jouer ce Link Brave et prochain tour on pourra faire Filkeb, Vampire, peu importe. Allez, donc là, sixième shard, pic. Donc là, il va nous sortir son gobler. War Machinist. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Mais what the fuck? Replicator Gambit maintenant. D'accord. D'accord. Est-ce qu'on bute ce War Machinist ou pas quand même? Bon là au pire on va reprendre un coup de gobler. Mais bon c'est pas très grave, je pense qu'il faut casser le combo. Même si j'y crois pas un instant. Là je vois pas comment il peut aller le re-récupérer vu son deck, mais bon dans le doute on va jouer sérieusement. Bon là on va prendre un coup de gobler. Salut à toi Okpok. Ah bah non, là maintenant c'est un tunnelage. Bon là notre adversaire qui a raté pas mal de points de dégâts, il aurait dû attaquer avec ce gobler je pense. Bon là du coup, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est un Riz ou pas? J'ai aucune idée de ce que ça peut être. Quelle est cette bête? Bon c'est pas un Fissure Smith. De toute façon, hein, ça peut être soit un Spy, soit un Scientist, soit un Riz. Vu que là, c'est pas un Fissure Smith. C'est quand même assez étrange, hein, Danonino là. Ah bah maintenant qu'il craque son Comic Totem. Mais que fait cet homme? Une Star Sphere. Il y a des rares et tout. Hein, donc, est-ce que c'est un deck monté de briques et de broc? Est-ce que c'est un vrai jeu? Je ne sais pas. Bon, là, on a la réponse. C'est un jeu monté de briques et de broc. Le Sous Saying, c'est vraiment pas le Pérou. Et un War Machinist. D'accord. Donc c'est un deck Replicator, Gambit, Gobbler, tout ce qu'on veut. D'accord.
D'accord. Voilà, notre quatrième ressource. On pourra gagner un peu de PV, d'avoir passé à 20. Et on va mettre... est-ce qu'on met Isidore ou pas? Je pense on va mettre Isidore. Et c'est ça, il y a baleine sous caillou là. Il y a un truc qui se passe là. Il y a un truc qui se prépare. Bon, c'est dommage, hein, on n'a pas énormément de ressources. On serait à 7 shards comme le gars. On aurait pu faire genre Isidore, Philkep ou des machins un peu pas mal. Combien il y a de troupes? Il y en a une et moi j'en ai pas. Ouais, donc ça vaut pas trop le coup. Ça vaut pas trop le coup d'utiliser Isidore. On va plutôt mettre notre Philkep. J'ai pas envie d'attaquer avec Isidore si jamais il y a un burn. Ah, contre-sort. Bon. Bon, ok. C'est une vraie carte. Du coup on n'est plus habitué après. C'est ça en fait, c'est le jeu du mind game. Il y a des cartes improbables, du coup tu te dis il fait n'importe quoi et l'attaque, il te sort une vraie carte, un contre. Waouh, en parlant de vraie carte, ça c'est une vraie carte. Ok, donc notre vampire qui va pas se détaper. Je sais pas si c'est les jeux des vrais, mais en tout cas c'est des jeux étranges. Hein. Bon là il me faudrait un peu de réanimation avec ce deck, puisque là c'est un deck 7-2 je crois, un truc comme ça, on est au 7-4 maintenant. Ah j'aurais dû... bon c'est pas grave. J'aurais pas dû faire ça dans cet ordre là, mais ça c'est pas grave. Et donc on a un Riz, qui est là. Bon, tant qu'il nous sort pas un Tectonic Mega Hulk à ce tour-là, on va faire un kill après, ça va pas être gênant. Ouais, ouais, le War Machinist. Ah, j'ai pas vu, je suppose qu'il a pris. Il a pris du bleu pour le maintenir tapé. Réplicateur Gambit. Bon. Alors c'est un jeu Gobbler Riz Eternal Sage du Gambit. C'est quand même pas banal. Bon là nous par contre on va lui mettre une cloque là, deux tours sur la tête. Mimique, ok. Vampire King, ok. Pour pouvoir hein, récupérer son gobeler bien sûr.
Allez, tant qu'on n'a pas un méga Hulk là ou un truc comme ça, ça va bien se passer. Voilà, un worker bot. Allez, on va buter Cerise. Et on va attaquer avec nos létales. On va par contre garder juste un exarque. Histoire de lui faire peur. Voilà, notre adversaire qui a 6 maintenant. Ah bah Hawkpock, hein, c'est l'éternel débat. Y en a qui trouvent ça chiant, perso moi je trouve que c'est une bonne chose. Donc les shards en fait, s'il n'y avait pas de shards, hein, si c'était le meilleur qui gagnait à chaque fois, si c'était comme les échecs en fait, du coup tu pourrais jamais gagner contre les pros. Et du coup en fait hein, voilà, si t'étais on va dire un mauvais joueur, bah le mauvais joueur il gagnerait aucune partie. Donc je suis pas sûr que ça soit très amusant pour quelqu'un qui est pas doué de se prendre 50 000 déculottés tout le temps. Et, donc l'avantage c'est que n'importe qui peut gagner, n'importe qui peut perdre. Et du coup ça fait de la variance en fait dans le jeu. Il y a aussi les parties qui sont pas du tout similaires. Et l'avantage hein, c'est que comme c'est des shards, hein, faut voir ça un peu comme un mélange d'échecs et de poker. Donc c'est des échecs dans le sens des choix stratégiques qui vont. La façon dont tu joues tes cartes, ça va vraiment changer le jeu. Et il y a la partie poker où c'est des cartes que tu pioches. Donc si t'as pas de bol, tu peux avoir une main pourrie, mais si t'as du bol, t'as la carte flush et là tu peux défoncer n'importe qui. Et en gros, si on n'avait pas ce système-là de shard, il n'y aurait pas tous ces trucs-là, quoi. Et après, bon, c'est encore un autre débat, mais après les jeux ne seraient pas les mêmes non plus, quoi. Si tu avais des ressources linéaires, les jeux aggro, les jeux combo et les jeux contrôle se joueraient pas du tout pareil. Tu as des jeux comme ça où en gros tu as du rush débile, tu peux défoncer le gars en 3 tours. Et notre adversaire qui va réfléchir. Et hop, un petit vampire 4-2, merci bien. Bon là ça va être compliqué pour lui. Et notre adversaire qui nous attaque là. C'est un ouf. Bon, on va buter sa troupe. Hein. Bon, c'est sûr, il gagne 3 PV, mais là, du coup. Voilà, c'est le Seren Victory! Allez, on va faire le giveaway.
Donc aussi, hein, le petit avantage, c'est que bah, t'as des parties épiques, hein. T'as des trucs où t'as des comebacks avec un peu de chance, et puis il y a aussi le petit skill du deck building hein, pour jouer avec les ressources. Donc après, voilà, c'est chacun hein, voit midi à sa porte, mais perso, moi j'aime bien le système de ressources, qui est beaucoup, beaucoup moins punitif qu'à Magic, par exemple. Magic c'est beaucoup plus galère, hein, je trouve. Là, en plus, comme on a les champions, on est un peu moins pénalisé quand on a du flout, puisque tu vas pouvoir activer ton pouvoir. Donc après, après c'est vous qui voyez. Allez, on va faire donc le giveaway. Et donc ce soir, un petit indigo. Donc allez-y, faites péter. Faites péter les plus 1. Donc un indigo à gagner. Donc on a Onheim, on a la Miche, on a Cheden. Salut à toi la Miche. Alors, qui c'est qu'on a d'autre? Donc on était où? On était à Okpok. Après, donc on a Andish, on a Falatus. Excellent. Ah, merci, merci Andish, merci de me suivre, merci pour ton follow, ça fait plaisir. Bon, c'est dommage, du coup, on n'a pas vu mon super gif. Donc voilà, hein, c'est ça, tu peux à chaque fois regarder la carte en faisant une petite commande card et puis indigo. Donc Okpok, c'est bon, je l'ai noté aussi. Alors plus personne. Excellent. Ah merci Okpok, voilà. Alors, je décale pour qu'on puisse voir ce superbe follow. Merci Okpok, c'est très sympa. Donc a priori je vais rendre. Donc le vainqueur de ce soir pour cet indigo, eh bien c'est eh bien c'est Andish. Félicitations Andish 87. Donc tu gagnes un indigo Dreamwalker. Donc GG à toi. Donc tu peux me faire un petit slash IGN. Ah bah voilà, impeccable. Cosmic Gate.
Ok, eh bien je vais t'envoyer ça de suite. Alors c'est pareil, hein, je vois le Mio, ça me fait penser le Mao. Il y a un de mes followers, le gars il met un miaou mais il a une photo de chien. Alors, enfin de canidé. Donc voilà, c'est quoi ce bazar? Alors, Indigo on a dit. On a Digo. Hop, un petit Indigo, tac tac tac. Les chiens font miaou, mais non. Non, 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 les chiens ne font pas miaou. Hein. Je refuse. Bon, en tout cas, merci, merci à tous d'avoir suivi ce petit live. Hein, donc, c'était un peu plus calme après, après le grand giveaway d'hier. Hein, donc, encore merci à tous hein, pour être venus aussi nombreux hier. Et merci à tous d'être venus quand même aussi aujourd'hui. Et aussi, merci à Andy chez Okpok pour ce petit follow. C'est toujours sympa et c'est grandement apprécié. Donc maintenant je vais pouvoir racketter encore un peu plus Eogan pour avoir plus de code et vous donner toujours plus de lot. Et donc voilà, merci aussi à Onheim hein, qui m'a filé plein de cartes pour ce giveaway spécial. Et aussi à Ropet hein, qui a fait gagner un petit code draft hier, c'était vraiment pas mal. Donc pour ceux qui ne se sont pas inscrits encore, hein, vous avez jusqu'à dimanche pour vous inscrire pour participer à la Lotombola qui se déroule sur mon YouTube. Il y a 1400 plates à gagner, hein, il suffit juste de mettre un petit mot sur un commentaire sur cette vidéo et vous aurez une chance d'être tiré au sort. Je prendrai la liste hein, et je ferai un random comme je fais d'habitude et vous pourrez gagner donc 1400 plates. Donc... cette tête de chien. Donc merci à tous d'avoir suivi ce live et à plus les gens. Donc vous pourrez me retrouver comme d'hab hein, mardi sur Momcard et donc hein, sinon le reste du temps sur mon YouTube et mercredi ici même. À plus. Merci Cheden, bonne soirée à toi aussi.